avoir les vaccins et pouvoir, en tout cas, les utiliser. Il faut y aller, et il faut adhérer parce que, encore une fois, il n'y a aucun gouvernement qui irait chercher des produits pour venir. Parce que la vaccination, c'est de la prévention, ce n'est pas de la guérison. Donc, on va pas administrer des vaccins à une population saine en sachant qu'il y a un grand risque là-dessus. Voilà. Et encore une fois, il faut dire que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que tout va bien, ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cas qu'on va hésiter à se vacciner. On se vaccine pour se prémunir, pour prévenir, et la prévention… – Pour protéger les autres aussi. – Oui, et la prévention, c'est justement quand ça va bien qu'on la fait. Ce n'est pas au moment où on est face à la maladie qu'on va courir prévenir. Pour aller se vacciner. Donc, c'est normal que nous puissions nous vacciner en ce moment. – Très bien. Si nous prenons les vaccins à deux doses comme AstraZeneca, quel intervalle de temps doit séparer les deux injections, docteur Couto? Parce qu'en France, par exemple, on a retenu, la France a retenu comme intervalle de temps séparant les deux doses d'AstraZeneca 12 semaines. Alors qu'ici au Togo, on parle de 8 semaines, je crois. Alors, qu'en est-il exactement? Vous savez, tout ça est basé sur les évidences scientifiques. Hein. C'est basé sur les études qui ont été menées sur ces vaccins-là et les résultats rendus disponibles par les laboratoires et validés par les organes de régulation qui ont évalué ces vaccins. Donc, et pour chaque vaccin, il y a eu donc des délais qui ont été définis, des délais minimum et maximum qui ont été définis pour prendre la deuxième dose. Et tout ça, le délai minimum, c'est le délai au bout duquel quand même la réponse immunitaire maximale s'exprime après la première injection. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus qui se met en place quand on injecte l'antigène, c'est-à-dire le fragment d'ADN ou d'ARN, en tout cas ce qui va simuler la présence du virus, ce qui simule la présence du virus dans le corps, qui va déclencher un certain nombre de réactions de nos moyens de protection pour produire les soldats qui vont défendre. Ce processus-là dure un certain temps et il faut permettre à l'organisme de réagir suffisamment avant de mettre la deuxième dose. C'est pour ça qu'on a parlé de 8 semaines minimum et de 12 semaines maximum. Le maximum, c'est peut-être le délai au bout duquel il est important d'introduire une seconde dose pour pouvoir, en s'appuyant sur les acquis de la première dose, pouvoir booster un peu plus la deuxième. Donc tout ça est parfaitement étudié et validé. Et il faut savoir que les pays comme la France, au début, on a misé sur le fait qu'il fallait prendre le temps de vacciner massivement en première dose le plus grand nombre de personnes. Parce qu'on sait que la première dose déjà procure un certain niveau de protection, surtout en matière de développement des formes graves de la maladie, en matière de réduction de la pression sur les systèmes de santé. Donc, la priorité était de couvrir le plus grand nombre en vaccination de première dose, parce qu'il y avait aussi ces doses qui étaient indisponibles. C'est pour ça qu'il y a des pays qui ont rallongé jusqu'au délai maximum. Mais bon, le Togo, on est entre les deux, et jusque-là, tout va bien, puisque les autres qui ont pris AstraZeneca, on peut se poser la question si on aura assez, mais il faut savoir que on a pris ce vaccin AstraZeneca du 10 mars jusqu'à pratiquement 10-15 mai, donc en deux mois pratiquement. La seconde dose a commencé le 17 mai. Le 17 et a concerné les premiers qui ont pris déjà la première dose. Donc ça va se faire progressivement et je pense que d'ici qu'on épuise les 140 000 doses que nous avons reçues, on a des chances d'en recevoir et de pouvoir continuer à couvrir. Et de pouvoir satisfaire tout le monde, surtout ceux qui ont déjà pris leur première dose. Si l'intervalle, docteur, plutôt si l'intervalle de temps entre les deux doses n'est pas respecté, ça veut dire qu'on n'aura pas le résultat escompté. L'efficacité du vaccin ne sera pas prouvée à ce instant-là, on veut comprendre. Oui, c'est ce que je disais. En fait, il faut savoir que les fabricants ont évalué tout ça et savent que à la première dose, on a un certain niveau de protection qui est peut-être temporaire, mais il est nécessaire de mettre la deuxième dose
pour avoir le maximum. En respectant le délai. Le délai, pour avoir le maximum de protection. Si le délai n'est pas dépassé, respecté. Par exemple, vous prenez votre vaccin et au bout de 6 mois, vous voulez en reprendre un autre, c'est comme si vous reprenez la vaccination. Il faut aussi le savoir. Quand le délai est respecté, ça veut dire qu'on reprend le processus vaccinal en fait à zéro. Surtout quand on est vraiment hors délai complètement, parce qu'on n'aura pas d'efficacité escomptée. Voilà. Alors, une seconde dose d'AstraZeneca reste indispensable pour assurer l'immunité, d'après les scientifiques. Vous confirmez cela ce soir, docteur Poto? Oui, c'est ça l'évidence scientifique qui a été, en tout cas, publiée un peu partout, validée par tous les organes, l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est ce que nous suivons. Cette deuxième dose est réellement indispensable et donc on est engagé pour la faire. Et ceux qui ont reçu en tout cas AstraZeneca devront recevoir une seconde dose de vaccin pour être complet sur ce processus-là. Très bien. Alors, quelles sont les stratégies de mobilisation à l'endroit des personnes qui ne se décident toujours pas à aller se faire vacciner contre la COVID-19? Les stratégies de sensibilisation sont-elles toujours les mêmes? Nous avions rencontré monsieur le maire de la commune du Golfe 1 qui a expliqué à l'équipe de santé d'abord ce qu'ils se font plutôt à leur niveau pour sensibiliser une grande majorité de la population de leur commune. Nous écoutons monsieur le maire. Stratégie de mobilisation de la population se situe à différentes étapes. Hein. Dans un premier temps, il faut identifier les acteurs, les différents acteurs qui peuvent contribuer à la mobilisation de la population. Et en deuxième position, développer la stratégie de sensibilisation. Donc les acteurs sont entre autres la mairie, plus précisément le département des affaires sociales et également la division de la communication. Et il y a la chefferie traditionnelle, il y a les leaders d'opinion, les responsables religieux. On peut citer les différents pasteurs, révérend père et les imams des mosquées, et il y a également les responsables des CDQ. Et nous avons misé également sur les comités des marchés, de nos différents marchés. Et avec ces différents acteurs, nous avons eu à partager les communiqués qui sont appelés à diffuser à leur niveau. Et également, nous avons eu à demander au chef quartier de Gongoné pour faire passer le message. Et nous avons utilisé des véhicules sonorisés pour sillonner les artères de notre commune. Et ces communiqués ont été passés également au niveau des différentes églises et mosquées. Mais une chose est de faire passer ces messages et une chose est de voir concrètement nos populations adhérer à ces engagements et aller se faire vacciner. Nous-mêmes, pour motiver nos concitoyens, nous avons pris la deuxième dose pour leur démontrer que tout ce qu'on dit à travers les réseaux sociaux, c'est faux. Et que le gouvernement a pris sur lui de nous préserver de cette pandémie et que nous sommes tous appelés à se faire vacciner selon les critères que le gouvernement avait définis. Mais nous remarquons qu'il y a vraiment, lorsqu'on a déclenché l'administration de la deuxième dose, qu'il y a un relâchement, soit
c'est l'influence de ces messages, de ces fake news sur les réseaux sociaux. Soit on peut dire que la population aussi observe les communiqués diffusés par la TVT sur les statistiques des cas Covid. On suit avec satisfaction, mais on ne doit pas prendre cette diminution que bon, c'est fini, mais on doit nous préserver grâce à la vaccination. Et je voudrais lancer encore un appel aux chefs cantons, les chefs des différents 36 quartiers de notre commune, les leaders religieux, et également les responsables des comités des femmes au niveau des différents marchés. Et nous faisons appel également au syndicat des conducteurs des taxis-motos qui vraiment sont appelés à être en contact permanent avec nos concitoyens, de faire partager ces informations et aussi d'aller se faire vacciner, surtout prendre la deuxième dose. Voilà, docteur Couteau, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel dans l'intervention du maire Kwame Gomalo tout à l'heure? Oui, je salue monsieur le maire. J'apprécie vraiment cette intervention et cette stratégie d'ailleurs mise en place dans sa commune qui devrait être aujourd'hui ce que nous devrions faire. On se rend compte qu'ils utilisent plusieurs canaux de communication, plusieurs canaux de sensibilisation. C'est une stratégie à plusieurs axes pour pouvoir toucher tout le monde et il est important de le rappeler, le rôle du leadership local, que ce soit les leaders religieux, que ce soit les personnes qui sont en contact tous les jours avec la population, qui interagissent avec cette population, des personnes à lesquelles les populations s'identifient des fois, toutes ces personnes ont un rôle aujourd'hui dans cette campagne parce qu'il faut savoir que... nous décider d'aller nous vacciner et encourager les autres à aller se vacciner, c'est un acte d'amour aujourd'hui par rapport à cette pandémie. Il ne faut pas se leurrer. Et on a justement, il a souligné d'ailleurs ces chiffres-là qui peuvent nous amener à complètement nous relâcher, à nous dire que non, il n'y a plus de risque. Voilà, il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger. On va baisser la garde. Ce n'est pas la peine. Est-ce que finalement, c'est utile pour moi d'aller prendre un vaccin alors qu'il n'y a plus de risque? Le risque, il existe. Nous l'avons dit, le virus continue par circuler. Et nous avons même d'autres risques que nous ignorons. On a plus parlé des variants parce que ça s'est calmé un peu, mais ça reste une menace constante. C'est ça. Parce qu'on a vu des pays où, du jour au lendemain, dès que ces variants sont apparus, c'est allé boum. On a les vacances qui arrivent et on aura des vacanciers qui vont arriver. Et on va se brasser à nouveau. Il est important que les gens se vaccinent pour pouvoir se protéger parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Et donc, comme on a l'opportunité d'avoir ces vaccins, il faudrait que les Togolais aillent vraiment se faire vacciner. Et ce type de sensibilité doit pouvoir aider à une meilleure adhésion. Et avoir de bons résultats. De bons résultats. Ouais. Comme on l'a toujours dit, monsieur le maire fait beaucoup d'efforts. C'est comme ce qu'on observe au niveau du gouvernement. Et je pense que nos dirigeants font ce qu'ils doivent faire. Ils ont suffisamment fait. Il nous appartient maintenant de prendre nos responsabilités, chacun à son niveau, pour poser l'acte d'amour qu'il faut. Responsabilité individuelle, responsabilité collective. C'est important. Alors, est-ce qu'avec la vaccination dans les universités, dites-nous, docteur Couteau, est-ce qu'on peut dire que le Togo est en train de tendre vers la vaccination des 18 ans? Parce que lorsqu'on prend aujourd'hui les universités, il y a de jeunes étudiants qui ont 18 ans, ou bien là aussi, il y a des critères d'éligibilité. Non, bon, on peut descendre à 18 ans, ce n'est pas dans la littérature même, si vous avez vu ceux qui ont réussi. Parce que la priorité en matière de vaccination, c'était de protéger ceux qui peuvent représenter un risque par rapport à la maladie. Après, vous avez vu que les pays qui ont réussi à vacciner le maximum de leur population sont en train d'ouvrir jusqu'à même 16 ans par là, parce qu'ils ont pu couvrir. Pour l'instant, les étudiants, on va privilégier
privilégier peut-être les plus de 20 ans. Et puis, si on, au moment de l'enrôlement, on voit qu'il n'y a pas d'adhésion, on peut ouvrir ceux qui ont envie de se vacciner jusqu'à 18 ans. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de contre-indication pour les jeunes. La seule préoccupation, c'est que les vaccins sont insuffisants et il faut couvrir en priorité ceux qui en ont le plus besoin. Donc, si c'est nécessaire, oui, on ira couvrir les moins de 18 ans au niveau des écoles, d'autant plus que même si le virus n'est pas un risque pour eux personnellement, ils constituent des vecteurs du virus auprès de leurs parents et dans leur quartier. Donc, si on les couvre, ce serait tant mieux pour d'accord. moi. D'accord. Voilà. Si je vous demandais ce soir, docteur Péto, de rendre obligatoire la vaccination dans certaines professions ou bien au niveau de certaines cibles de la population, que répondriez-vous? Alors, tu veux parler des groupes qui interagissent entre eux? Oui, mais rendre obligatoire, ça appelle sûrement d'autres notions, mais déjà pour nous, le vaccin obligatoire suppose que nous ayons suffisamment de vaccins pour tous les Togolais, pour tout le monde, pour pouvoir rendre obligatoire. C'est vrai, vous l'avez dit au début de l'émission, le corps médical, pourquoi on ne rendrait pas obligatoire? Voilà. Je pense que ça nous aurait peut-être desservi si on était allé sur ce chemin, parce que finalement, les gens ont été convaincus par eux-mêmes de la nécessité de se vacciner. Et nous croyons réellement que si on continue par expliquer aux gens le risque qu'ils prennent en ne se vaccinant pas, et si les gens ont un peu d'amour pour leur prochain, ils finiront par comprendre cette nécessité de se vacciner. Et notre grande bataille aujourd'hui, c'est contre surtout ces fake news qui circulent, et c'est pouvoir faire comprendre aux gens qui ne prennent pas plus de risques que ça en se vaccinant. Et je pense qu'on aurait gagné la bataille. Ce n'est pas encore, à mon sens, utile d'imposer le vaccin. Mais par contre, non, c'est juste une question que je pose comme les gens qui travaillent par exemple à l'aéroport, qui sont en contact toujours permanent avec les étrangers qui arrivent dans le pays, avec les voyageurs, prisonniers par exemple qui sont là entassés dans les cellules. Je pense que tout ce type de personnel ont été suffisamment sensibilisés. Ils connaissent maintenant les risques qu'ils prennent. Il me semble qu'on ne va pas leur imposer. Au niveau de l'aéroport, il n'y a pas un agent qui ne soit pas déjà vacciné parce qu'ils savent le risque qu'ils prennent. Tout à fait. Et donc, non, je suis, nous sommes convaincus que cette approche de persuasion est encore meilleure que de rendre obligatoire. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que et on va avoir les dividendes de la vaccination. On le voit en Europe. Demain, on a aujourd'hui d'ailleurs les groupes sociaux qui sont en train de demander peut-être des assouplissements pour permettre la reprise des activités culturelles de ci ou ça. La réouverture de toutes les églises. Des églises, la réouverture des stades pour qu'il y ait telle ou telle chose. À un moment donné, si on doit ouvrir ça sans prendre de risque, il faudrait montrer qu'on est vacciné. Moi, je pense que, par contre, les dividendes de la vaccination doivent être, je dirais, valorisés pour ceux qui l'ont fait. Et c'est là où peut-être on se demandera si c'est une obligation de se vacciner, mais en tout cas, pour retrouver une vie normale, mais il faut faire cet effort-là de protection de soi et des autres. Et c'est à travers la vaccination. À travers la vaccination, alors, essentiellement. Sensibiliser, encore sensibiliser et toujours sensibiliser, sans se lasser, afin de mieux faire comprendre à la population l'intérêt de l'importance, l'intérêt, pardon, de la vaccination, ou bien la nécessité, ou bien l'importance de prendre la seconde dose du vaccin AstraZeneca, cela reste un travail de fond et de tous les jours. Alors, pour le président du tribunal de première instance de Lomé que nous avions interviewé, il met l'accent sur cette sensibilisation et rappelle à la population que la deuxième dose du vaccin AstraZeneca est indispensable pour toute personne qui a déjà pris sa première dose. Nous écoutons M. Pierre Kossi Koutouhou sur ce sujet. Je crois que c'est la sensibilisation qu'il faut. On ne doit pas se laisser, se lasser plutôt de faire la sensibilisation autour, d'appeler les populations, les encourager à aller et se faire vacciner, en leur expliquant le risque
de contamination qu'il y a à ne pas se faire vacciner. Et s'ils savent que s'ils refusent de se faire vacciner, le risque de se faire contaminer est plus grand, alors ils ne seront pas réticents à le faire. Il faut toujours qu'on le leur rappelle la nécessité de se faire vacciner en leur expliquant l'impact socio-économique que la maladie même entraîne pour nos États. Et aussi l'effort considérable que nos gouvernants font pour mettre à la disposition de la population les vaccins, de rappeler ça à chaque fois sur les médias, des sketchs pourquoi pas, et pour les amener à comprendre la nécessité d'aller de se faire vacciner. On pourra même éventuellement aussi passer, pourquoi pas, par les leaders politiques, communautaires, tout et tout. Je crois que c'est peut-être par manque d'informations, parce qu'il y en a, c'est vrai, qui pensent qu'après avoir fait la première dose, ils sont immunisés à 100%, ce qui n'est pas vrai. La deuxième dose est d'autant plus importante que la première, et que c'est la deuxième dose d'ailleurs qui renforce la capacité d'immunité et qui augmente les chances de protection. Peut-être certains ne sont pas encore informés de ce que la campagne de vaccination pour la deuxième dose plutôt a commencé. Donc il va falloir, comme vous venez de le faire avec nous actuellement, faire passer le message autant que faire se peut sur les différents médias pour les informer, pour informer le public. Et insister sur le fait que ce n'est pas parce qu'on a fait la première dose qu'on ne doit plus respecter les mesures barrières. C'est vrai, depuis un moment, on a constaté un recul du nombre de contaminations, mais cela ne veut pas dire qu'on doit baisser la garde. Et donc, on doit toujours rappeler cela à chacun de nous. Plutôt une réaction par rapport à ce que monsieur le président du tribunal de première instance vient de dire. Nous sommes toujours dans la sensibilisation. Sensibilisation toujours, et c'est bien de voir que… De faire parler des personnalités… Les personnalités de tout bord. Qui reviennent sur la sensibilisation. Et d'insister sur cette sensibilisation. Je vois que monsieur le juge ne lève pas son bâton, son maillet pour imposer quoi que ce soit. Mais Il exhorte chacun de nous à aller vers cette vaccination. Et surtout, il insiste sur les efforts qui sont faits par le gouvernement pour rendre disponibles ces vaccins. Il va falloir que les Togolais, en tout cas, profitent de cette opportunité. Sincèrement, le Togo, moi, on a vu des pays qui n'ont lancé leur campagne de vaccination que la semaine dernière. Ouais. Et des pays très proches de nous, il faut voir quand même ces efforts qui sont faits par notre gouvernement et comprendre cette volonté de protéger nos concitoyens. Et les apprécier à juste titre. Et les apprécier à juste titre, faire ce qu'il faut. Parce que si on fait tous ces investissements, et que nous ne récoltons pas les fruits, ce serait dommage. Et ces fruits, je le rappelle, c'est au plan sanitaire d'abord, la protection au plan santé de nos populations, et aussi l'ouverture de notre pays au monde. Pourquoi pas? Parce que c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, la bonne gestion de cette crise sanitaire va déterminer aujourd'hui même des relations qu'on peut entretenir avec tel ou tel, le fait que les gens aient envie de venir chez vous ou pas. Donc, il va falloir que les Togolais se donnent ces moyens-là, nous avons besoin de nous porter bien, nous avons besoin de reprendre nos activités, et d'avoir des emplois. Tout ça aussi est lié à comment nous gérons la crise sanitaire et à l'adhésion de tout un chacun aux mesures qui sont prises. Merci beaucoup. Mais nous devons quand même remarquer que ce qui constitue le blocage majeur à cette sensibilisation, c'est malheureusement, vous en avez fait allusion dans cette émission, au début de cette émission, c'est malheureusement les réseaux sociaux qui continuent malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, par distiller des informations non fondées. Alors, docteur Couteau, que pensez-vous des dernières vidéos
virales qui ont circulé sur les toiles et qui font état de cet effet magnétique ou bien du magnétisme que véhiculerait le vaccin Covid-19 avec ce téléphone collé au bras et dont les images ont fait le tour. Docteur Couteau, on en a assez entendu, on continue toujours par voir des choses. C'est vraiment dommage parce que je pense que quelque part, réellement, ce qui produit ce type d'éléments qui font circuler de façon virale sur nos téléphones et autres, ils se foutent réellement de notre intelligence parce que ce n'est pas possible qu'on nous fasse croire que à travers une seringue, une aiguille de quelques millilitres, de quelques millimètres, même pas un millimètre de passage, on a pu introduire un aimant dans notre organisme. Voilà. Qui puisse retenir un téléphone. Et c'est là où je crois que les humains que nous sommes devront nous rendre compte que cette maladie-là nous a rendu complètement... non, il faut que nous gardions raison, quoi, un peu. Et donc, ça démontre, pour moi, ça démontre à quel point ceux qui fabriquent ces vidéos-là ont envie vraiment de se foutre de nous, de s'amuser. Et des fois, nous le prenons pour argent comptant. Je pense que c'est même une vidéo qui doit nous montrer que c'est des gens qui se lèvent un matin et qui ont envie de s'amuser et le font. Et il ne faudrait pas que ça nous détourne de ce que nous devons faire pour protéger notre propre santé, c'est important. Et donc, par rapport à ces fake news, il va falloir que les Togolais, on l'a dit suffisamment, écoutent l'information officielle, écoutent tout ce qui défile sur vos plateaux, tous les médias pour essayer de sensibiliser, pour apporter l'information aujourd'hui. Elle est plurielle, cette information que nous apportons. Ouais. C'est tout le monde qui s'exprime aujourd'hui. Moi, j'étais votre invité, mais j'ai vu toutes les personnalités que vous avez fait défiler, parler. Ouais. Et je pense qu'on ne peut pas se dire que dans ces conditions, il y a quelqu'un qui manipule quiconque que ce soit. Tout à fait. Et donc... sachant raison garder. Et faisons extrêmement attention à ces fake news. À ces fake news, tout simplement. D'accord. Alors aujourd'hui, le pari qui semble pour l'instant porter ses fruits, c'est le nombre de nouveaux cas d'hospitalisation et de décès qui ne connaît plus de hausse depuis un certain temps, depuis quelques semaines. Alors comment expliquez-vous ces résultats? Vous l'avez dit, c'est vrai, mais est-ce que la population n'a pas quelque part contribué à ces résultats-là aussi? Oui, forcément. Je pense qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Je pense que ça fait longtemps qu'on a compris que... On ne parlera pas que de la bonne gestion des autorités de la COVID au Togo. Mais il faut aussi savoir que ça fait longtemps qu'on a compris que ce n'est pas parce que l'Afrique a le soleil, ce n'est pas parce qu'on a telle prédisposition. Mm-hmm. C'est vraiment comment nous gérons. Et on ne parlera pas que de ça, mais la stratégie qui a consisté à être très vigilant et très réactif, je dirais très proactif sur la gestion de cette crise-là, nous a permis d'avoir les résultats que nous avons. Mais tout cela n'aurait pas porté ses fruits s'il n'y avait pas cette adhésion de la population togolaise. Et ça, nous, on le dit, quand il y a eu l'appel en début mars du gouvernement, moi j'ai observé particulièrement la réaction des Togolais. Je pense que c'est à partir de cet appel-là que j'ai vu que les Togolais ont appris à porter correctement leur masque. Un peu partout, non seulement les gens avaient le masque, mais l'ajustaient correctement sur leur nez et leur bouche, dans les églises un peu partout. On a vu un changement réel. Et je crois que cette adhésion des Togolais à toutes ces mesures-là nous permet d'atteindre ces résultats. Donc, il n'y a pas de miracle. Et ces mesures qui nous ont permis d'avoir ces résultats, il faut les maintenir. Ouais. Il faut les maintenir jusqu'à ce qu'on élimine complètement ce virus-là, qu'on arrive pendant un certain nombre de jours à déclarer zéro cas, pendant peut-être un certain nombre de semaines à déclarer zéro cas tous les jours, là on comprendra que le virus ne circule plus chez nous et que au niveau de nos frontières aussi, on renforcera la surveillance. Mais en ce moment, nous pourrions nous permettre des libertés. Et ce sera le grand défi. C'est un grand défi. Ouais. Et la fin de la crise ne peut pas être décrétée par tout un chacun de nous. Nous avons un gouvernement qui gère avec beaucoup de rigueur, ça a été démontré, cette crise-là. Nous devons faire confiance en ce gouvernement savoir qu'il appartiendra donc à nos dirigeants de nous dire à quel moment
nous pouvons commencer par enlever le masque dans telle condition, à quel moment nous pouvons nous en débarrasser totalement et à quel moment nous pourrons reprendre enfin une vie totalement normale. Normal. Ouais. Merci beaucoup. Alors, dernier sujet de cette émission, pour le chef du quartier Baguida, les stratégies de communication sont les mêmes, mais le choix est beaucoup plus axé sur la stratégie de porte à porte pour sensibiliser la population de ce quartier dénommé Baguida, Devego, Akrobe, Sikopé. Alors, le message du chef, il est clair, il faut que tout le monde aille se faire vacciner dans l'intérêt de tous. Nous écoutons le chef du quartier Baguida. Les stratégies sont les mêmes. On doit rentrer maison par maison parce que la pandémie ne nous permet pas de mobiliser les gens de sortie pour les parler d'aller se vacciner. Donc on est obligé de 10 à 15 personnes de rentrer, de faire porte à porte, de leur parler que bon, vraiment, nous sommes sur la deuxième position pour la vaccination. On peut toutefois les mobiliser. Que bon, tantôt les gens disent qu'il n'y a pas Covid-19, on va les confirmer qu'il y a Covid-19 et que c'est mortel, ça tue. Et dans le temps où on n'a même pas encore commencé à faire la vaccination, bon, tout le monde est au courant comment la pandémie fait rage, quoi. Et maintenant aujourd'hui, par rapport aux vaccinations, bon, ça a un peu diminué, quoi. Donc on peut toutefois mobiliser les gens d'aller se vacciner, c'est très important. Je profite également pour pouvoir mobiliser tout le monde, tous ceux qui sont découragés, soit disant que ça tue, ce sont les alibis non fondés. Je le dis et je le répète, on a proprement vacciné et qu'on est en bonne santé. Il faut qu'on respecte toutes les mesures barrières, surtout lavage des mains, etc., porter les cache-nez. Et si vous voulez faire quelque chose quelque part, il faut respecter les mesures barrières, le nombre de personnes que l'État a signé. Par exemple, si nous, en tant que les chefs, si on veut faire quelque chose, on ne peut pas mobiliser les gens de sortie plus que 15 personnes. Ça, c'est très important. Parce que les gens pensent que c'est de l'amusement et on ne prend pas les mesures barrées en compte. Voilà, les gens pensent que c'est de l'amusement et on ne prend pas en compte les mesures barrières. Alors, docteur Couteau, ce soir, il faudrait insister sur cet aspect-là. Ce n'est pas parce qu'il y a la vaccination, il faut le dire tout simplement comme ça, la vaccination n'est pas synonyme de l'abandon des gestes barrières. Oui, pas du tout, pas du tout. Et le chef le dit si bien. Et je crois que l'engagement de tous ces leaders doivent interpeller réellement les Togolais et les faire réagir. Parce que c'est des gens qui sont responsables de leur population, de leur communauté, et de leur communauté qui ont besoin. Normalement, chacun, comme le chef le fait, devrait se dire « La Covid ne devrait pas faire des dégâts dans mon quartier, dans ma communauté. » Et chacun doit se dire « La Covid ne doit pas rentrer dans ma maison. » C'est tout ça qui doit nous amener à apprendre à avoir des réflexes responsables partout où nous sommes. Et puis, je voudrais profiter de ces propos pour dire que cette deuxième dose, les gens hésitent. Il faut aller faire du porte-à-porte. Il y en a aussi qui attendent d'être convoqués parce qu'on a dit que si on a bien fait l'enrôlement, normalement, on va recevoir un message tout et tout. Voilà. Et sur un plateau hier, quelqu'un a appelé pour me dire, mais lui, il va faire comment? On ne l'a pas encore appelé. Je pense qu'aujourd'hui, les centres de vaccination sont ouverts et il ne faut pas hésiter si on a pris sa deuxième dose. Il y a au moins deux mois, et je crois qu'il faut faire le pas, aller vers le centre de vaccination qu'il faut, avec son carnet. Peut-être qu'il y a eu un problème au moment de l'enregistrement, il faut vérifier tout ça pour voir si on est bien enregistré. Et au niveau du centre de vaccination, on va vous aider à prendre votre dose. Et ceux qui ont l'intention de prendre la première dose aussi peuvent aller dans les centres, même si on ne leur administre pas de dose, on va au moins les enregistrer pour qu'on puisse les appeler au moment venu. Donc, la mobilisation doit être, en tout cas, permanente. Et permanente à tous les niveaux. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Docteur Couteau, nous sommes loin par rapport à tout ce qui a été dit et aux chiffres que vous avez avancés. Nous sommes loin aujourd'hui, bien du moins pour le moment, bien pour l'heure, d'atteindre l'immunité collective où 60% de la population doit être vaccinée. Alors, nous
ne sommes qu'à 17%. Hein. Je l'avais entendu quelque part sur une radio, une personne ressource l'a dit. Nous ne sommes qu'à 17% pour le moment des 60% que nous devons atteindre. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ce soir à la population en âge de se faire vacciner ou bien les populations à risque, comme vous aimez bien les citer, les personnes avec des comorbidités? Un message fort ce soir à l'endroit de ceux qui nous regardent et qui ne se sont pas encore vaccinés. Alors, ce que je dois dire, c'est que si nous sommes loin d'atteindre cette immunité collective, ça veut dire que le risque existe et ce risque, il est important pour nos concitoyens. Non. Il est d'autant plus important pour les personnes qui ont été ciblées comme des personnes fragiles. Et on a communiqué longtemps dessus, ils se connaissent, on a vu ce que cette maladie a fait comme dégâts sur les diabétiques, voilà, sur les hypertendus, sur les personnes, asthmatiques. Les asthmatiques, sur les personnes vivant avec des maladies, voilà, le VIH, les maladies dégénératives et tout ça, tout ce qui affaiblit l'organisme et nos personnes âgées, nos seniors qui ont un organisme fragile. Et il est important que toutes ces personnes-là aillent se faire vacciner parce que nous avons l'opportunité d'avoir ces vaccins. Il ne faut pas attendre que la situation soit grave autour de nous pour qu'on aille se faire vacciner. On se vaccine pour prévenir. Et la prévention, comme on le dit, vaut mieux que de guérir. Et j'espère que, en tout cas, ces concitoyens entendent ce message. Et même au niveau des jeunes, aujourd'hui, la vaccination est ouverte à nos étudiants. Ouais. Et il faut aller se faire vacciner parce qu'en se vaccinant, on protège les personnes avec qui on est en contact, qui peuvent être plus fragiles que nous. J'aime bien le dire, le vaccin aujourd'hui, c'est un acte d'amour. Se vacciner, c'est un acte d'amour pour les Togolais. Et il faut vraiment aller faire cet acte aussi citoyen qui consiste à se faire vacciner. Voilà. Et puis, on se vaccine, certes, ce n'est pas la fin de toute chose, on se vaccine, mais il faut continuer à garder les mesures barrières parce que le port de masque doit rester obligatoire quand on n'est pas seul. Le lavage des mains, la distanciation sociale, il faut éviter des attroupements où il y a du monde. Ce soir, je suis vacciné en deux doses, je pense Carole aussi. Bien sûr. Alors, nous, on continue par porter ces masques. On a une bonne distance de 2 mètres entre nous. Donc, on a respecté. Mais on continue par porter ces masques pour montrer à nos concitoyens que ce n'est pas le moment de le faire tomber totalement. J'aurais pu l'enlever, mais je l'ai porté pour que les gens voient exactement comment ils se portent bien couverts sous le nez et la bouche. Et quand je suis dans un environnement qui est fermé ici, il faut se rappeler, nous avions rappelé tout ça, quand on est dans ce type d'environnement où il n'y a pas d'aération, il faut avoir le réflexe de porter son masque. C'est ça. Voilà. Ouais. Très bien. Alors, une question me vient à l'esprit, dites-nous, docteur Péto, est-ce que les personnes âgées de plus de 90 ans ou bien dont l'âge avoisine les 100 ans peuvent également recevoir le vaccin? Mémé qui est à la maison, qui a plus de 95 ans, est-ce qu'on peut l'amener au niveau des points de vaccination à défaut de l'amener, on peut amener le vaccin vers elle. Je pense que vous avez vu, dans un pays comme la France, la première cible a été de vacciner les personnes âgées qui étaient même dans les centres de retraite. Ces centres-là ont été fermés hermétiquement à toute visite pendant des mois. Et c'est après la vaccination qu'il a été possible à ces vieillards-là de recevoir leurs proches, leurs petits-enfants et de retrouver cette joie-là. Nos mémés, nos pépés qui sont à la maison, même si on ne peut pas les déplacer, s'il y a possibilité, je pense que le système peut organiser, on peut aller les vacciner à la maison et les protéger comme il faut parce qu'ils sont des cibles premières parce qu'ils sont fragiles et peuvent développer très rapidement les formes graves s'ils sont en contact. Et malheureusement, on ne peut pas avoir des limites par rapport à on ne peut pas mettre suffisamment de protection pour les isoler par rapport aux autres membres de la famille. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Péto. Mesdames et messieurs, c'est la fin. C'est la fin de l'émission Santé d'abord de ce mardi. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous croyons que le message ce soir, il a été assez clair. Nous ne cesserons jamais de continuer par sensibiliser et exhorter la population à aller se faire vacciner, parce que le médecin, l'invité de ce soir l'a dit, la vaccination reste la seule arme efficace contre la COVID-19. Si vous voulez éviter la forme grave de la maladie, le mieux, c'est d'aller se mettre à l'abri avec un vaccin, que ce soit AstraZeneca, Pfizer ou bien Sinovac. Soyez responsables, soyons responsables et accompagnons le gouvernement dans ses efforts pour le bien-être de nous tous, surtout pour préserver notre santé de façon individuelle et de façon collective. Alors, docteur Péto, merci d'être passé sur le plateau de Santé d'abord. Je rappelle que docteur Innocent Koundé Péto, il est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, mais nous l'avons reçu ce soir dans cette émission en tant que membre du conseil scientifique. Nous remercions toute l'équipe de la réalisation. On se donne rendez-vous donc le mardi prochain pour un nouveau thème de votre émission Santé d'abord. Docteur Péto, merci. Merci. J'espère que vous allez revenir encore. La sensibilisation continue. Alors c'est vrai que lorsque je recevais Docteur Péto sur ce plateau, les gens se posent des questions, se demandent est-ce qu'on est frère et sœur ou bien est-ce qu'on est un couple, mari et femme. On est des cousines. On est des cousines, cousines tout simplement. Cousines, cousines, tout voilà. Voilà, nos noms s'écrivent de la même manière. La prononciation de la même manière, on est donc des cousins et cousines. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous pour cet intérêt que vous accordez à l'émission Santé d'abord. Je vous retrouve donc le mardi prochain. D'ici là, passez une excellente soirée avec le reste de notre programme. À bientôt.